Utiliser des applications adaptées à nos langues nationales, c'est désormais possible au Bénin. Des jeunes détenteurs de savoir-faire font preuve d'innovation en créant des plateformes numériques à partir des langues nationales telles que le Fon, le Yoruba et le Dindi. Mon groupe et moi avons décidé de présenter un projet qui s'appelle Mon Djemin. Grâce à Mon Djemin, les phytothérapeutes dans nos villages qui ne comprennent que le Fon pourront faire des notes vocales et nous mettrons à disposition à partir de ces notes vocales-là des illustrations avec des sous-titres en français et en anglais pour que n'importe qui dans le monde puisse prendre contact avec nos détenteurs de savoir-faire locaux. Notre concept, c'est un calendrier des événements culturels et des marchés, parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de marchés au Bénin et il y a beaucoup de grandes commerçantes qui vont acheter dans tel marché, qui veulent les couler dans tel autre, mais elles ont besoin des jours pour pouvoir faire passer leurs produits. Les agriculteurs pourront avoir accès à des connaissances qu'ils n'ont pas directement. Ça pourra leur permettre d'avoir accès à un marché virtuel où ils peuvent vendre en ligne. La particularité de ces jeunes créateurs de contenu réside dans leur capacité à travailler en équipe. Ce faisant, ils se créent de l'emploi, mais aussi et surtout contribuent au développement économique du pays grâce à l'intelligence artificielle. Si on les mentore, si on les accompagne, comme on essaie de le faire aujourd'hui, c'est sûr qu'ils deviennent des talents qui vont permettre au Bénin d'émerger, surtout dans ce monde aujourd'hui de l'intelligence artificielle où il y a une forte compétition et où l'Afrique ne doit pas rester en arrière. Le gouvernement béninois l'a compris et en fait un des plus gros défis. C'est le gouvernement qui se présente aujourd'hui comme un facilitateur de ce qui est en train de se passer. Je remercie d'ailleurs tous les acteurs qui ont été là pour le mettre en place. Donc ça, c'est la première chose. Mais il faut que le gouvernement continue à soutenir cette initiative. Il est donc nécessaire que les différents acteurs du système numérique se mettent ensemble pour porter haut le flambeau du Bénin dans le domaine de l'intelligence artificielle.